Décryptons-le, évacuez. Oh, oh, oh. J'ai compris, tunnel. Et il a dit quoi d'autre? Nous avons très peu de temps. Dites-moi, qu'attendait Freisinger de Rommel? Je pensais que c'était notre équipe qui vous intéressait. Répondez immédiatement, notre marché ne tient plus. Ok, ok. Va falloir se détendre le slip. Lucas s'est débrouillé comme un champion. Il n'avait rien à dire de plus à Richter que les mensonges que les nazis lui avaient déjà servis. C'était le Troisième Reich. Leur réalité était une illusion. Certains auraient pensé Lucas incapable d'un tel miracle. Mais en fait, il a tiré la chance. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Et pourtant, Lucas a réussi à se trouver à Tobruk puis à El Alamein. Tout le monde savait pour la victoire des alliés dans l'Afrique du Nord. Mais elle n'était pas due au commandant britannique ni au puissant char d'assaut. Lucas détenait l'histoire cachée et Richter gobait tout. Hans s'est fait plaisir aujourd'hui. Il doit sentir la promotion arriver. Après tous les renseignements qu'on a donnés à ce con, il nous pond ce plan de merde. Aucune chance que ça fonctionne. Jacobs, qu'est-ce qu'il dit? Oh, vous remercie personnellement toi et Dez de vous investir autant. Pas de faire voir. C'est le roi et la patrie. Toujours le roi et la patrie. Nom de Dieu, c'est bien ce que je pense. Mais où t'as trouvé ça? Ça traînait par là. Oh. S'il t'attrape avec ça, t'es mort. Eh ben, santé. Allez, allez. Let's go, c'est la guerre. Aïe, non, je sais pas où. Ah, c'est ça le premier Call of Duty, t'avances, automatiquement les mecs ils vont se faire buter sans que tu vas faire quelque chose, tu vois. Oh, gars, hein. Jacobs, occupe-toi d'éliminer les mortiers sur la colline. Ouais, une petite mitraillette, non? Sous-titrage Société Radio-Canada.
Concentre-toi, Hades. Une autre unité de mortier, droit devant. Défonce-les, Lucas. J'en ai eu un. Là-bas, mortier à 12 heures. Donc la voir. Occupe-toi de ces enfoirés de mortier. Partez la pression. C'est pas des potes que j'ai, là, ils me laissent tirer dessus. Tout faire soi-même ici, putain. Ouais bah laisse-moi récupérer des munitions toi. Calme-toi là. Jacobs, passe. Yes. Bon sang. Regardez-moi ce carnage. Hams appelle ça une avancée. L'infanterie allemande a pris d'assaut nos chars. Alors on a qu'à attaquer leur infanterie. Ouais, on va se balader tranquillement au milieu de toute cette dévastation. Après tout, on n'est pas là pour... Oh lolo, quel tir d'élite. Oh,
frère était devant mon pote et il a même pas les tirs dessus, quoi. C'est une blague. Fallait que ça arrive. Lucas, avec toi, mec. Hé, Malta, je te tiens. Je vais bien. Ça va. Mais Major, on est en train de se faire démonter. Je vous ai donné un ordre. Formez un périmètre. Protégez le blindé. Monsieur, j'espère que... Déconnez, là. On va tenir la position. Notre soutien aérien est foutu. Si on se débarrasse pas de ces canons, il y aura aucune position à tenir. Vous avez vos ordres. Rien à battre, des ordres. On prend cette colline. Tout seul? Ouais. Rien que nous deux. Moi et Dess. Compte sur moi. Tenez, prenez ça. Détruisez ces foutus canons, puis lancez cette fusée bien haut. Ensuite, j'appellerai nos bombardiers. Bonne chance. Yeah, c'est parti. J'espère que Jacob et Blue y résisteront. Par contre, j'ai qu'un pistolet, c'est pas ouf, quoi. Vous voulez un travail bien fait? Envoyez les rats. C'est un coup, ça, mon collègue. Je vois rien avec le soleil. Si vous voulez un travail bien fait, envoyez les rats. Oh là, il est... C'est qui le bout là? Là,
Putain. Genre. Les canons sont par là. Imagine la tête de Hans quand il verra qu'on a réussi. Ne fais pas d'illusions. Il dira à tout le monde que c'était son idée. Merde, c'est pas passé loin. Bâtard, fais gaffe, ils sont partout. Oh mais non. J'étais contre un mur. Bah non. Passez-moi. Lucas, par ici. Merde, ces canons sont immenses. C'est bon, Des, envoie la fusée. Dès que je l'aurai envoyé, tous les Boches à 1 km à la ronde vont rappliquer. On va devoir les repousser jusqu'à l'arrivée des bombardiers. Aide-moi avec cette mitrailleuse. J'espère que je pourrai la tenir, pas tirer avec. Des, envoie la fusée. Je pensais pas que la journée se finirait comme ça. Attends, elle est pas encore finie la journée. Bah, après tout, pourquoi pas. Je suis prêt. Comme d'habitude, je vais faire tout le boulot. Ouais. On doit mourir ici. On doit emmener le plus de boches possible avec nous. C'est trop à voir. T'inquiète, ils ne passeront pas. Wow, wow, wow. Bon, ils vont peut-être passer. C'est pas seul, hein. Mes joujoux préférés. Voilà, c'est ça qu'on m'en calme les gens. Coup de lance roquette dans leur gueule. Ils ont transpercé notre défense. Ah ouais, effectivement.
C'est derrière toi, quoi. Ah, la mitrailleuse est foutue. Bah, prends un fusil. Il y a encore du boulot. Où sont ces bombardiers? Ils ont intérêt à rappliquer tant que je suis en tête. C'est pas toi qui gagne. Je gagne. Et accélère si tu veux me rattraper. Il faut pas entendre. Lucas, des Halles Crack sur la droite. Et moi. Où tu vas, Lucas? Je peux les attaquer plus loin. Tess, c'est pas encore fini. T'en as combien? Oh my god. On va se prendre. Il faut encore qu'on repousse ces connards. Ok, Tess, on va enlever le lance-roquette. Oh putain. S'il te plaît, Tess, relève-toi. Jacob, s'il a vu ta fusée, Ness, tu m'as battu, Ness. Il a pas l'air de bouger, quoi. Parfois, la seule façon d'honorer un soldat mort est de terminer la mission. Mais difficile de penser à ça quand vos bottes sont encore tachées de son sang. C'est ce que j'ai dit à Lucas quand je l'ai rencontré. La guerre nous a appris ça. La stricte hiérarchie du commandement allié ne voyait que les défauts de Lucas. Insolent, grossier, habitué des séjours en prison. Il était parfait pour mon équipe. Même s'il est vrai qu'il a un sacré crochet. J'avoue, la mandale qui s'est pris, quoi.